Journée absolument horrible. J'ai même pas de micro, j'ai même pas de micro pour avoir un son correct. Je vais pas être long. Bonjour à tous, vidéo du jour. Il est 23h30 actuellement. Journée absolument horrible. J'ai travaillé toute la journée, je suis crevé, j'en ai marre. Et en fait, tout ce que j'ai fait, en fait, je dois le supprimer et tout recommencer demain. Il y a des jours comme ça, tu vois, où quand ça veut pas, ça veut pas. Sauf que quand ça veut pas, ça veut quand même. Tu sais pourquoi? Parce que là, il est 23h30, donc on est bientôt demain. Okay, il est bientôt minuit. Et même quand tout va pas, même quand c'est pas de ta faute, entre guillemets, parce qu'en fait, j'étais en train de travailler donc sur ma prochaine formation. J'ai fait la page de présentation, etc. C'est ça qui prend du temps de ouf, tu vois. Je me suis réveillé tôt ce matin pour faire ça, j'ai fait ça toute la journée, vraiment. Ça m'a saoulé de ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était naze. Je me suis rendu compte que c'était nul, en fait. Et je m'en suis rendu compte tard, en fait. Très tard de ça. Trop tard pour tout recommencer aujourd'hui, clairement, et que ce soit prêt aujourd'hui. Et donc là, on se retrouve du coup maintenant. Il est 23h30, j'en ai marre, j'ai envie d'aller me coucher. Une journée absolument horrible, encore une fois. Mais, est-ce que tu crois que je vais me laisser faire, en fait? Non, il n'y a pas moyen, en fait. Parce que, pourquoi? Parce que je suis un ENTP, alright? Je sais, j'ai passé assez de temps ces dernières années à étudier les personnalités, à voir les gens vivre, évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens, être de plus en plus malheureux ou être de plus en plus heureux dans leur vie, tu vois. Et systématiquement, l'incapacité de faire ses fonctions inférieures crée encore plus de problèmes. En tant que haineux d'homme, je sais que, et si, faire un truc tous les jours, respecter les engagements, faire ci, machin, 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 être régulier, tu vois, c'est la pire des choses. C'est absolument la pire des choses. Mais, même, enfin, c'est ça en fait, même quand c'est, comment dire, même quand tout est, genre, même quand c'est, parce que quand on utilise nos fonctions inférieures, en fait, soit on est dans l'environnement parfait pour s'autoriser à prendre le risque d'utiliser nos fonctions inférieures, soit on ne va pas le faire en fait, parce que déjà qu'on n'aime pas le faire, en plus quand c'est dur, c'est là que on abandonne tout. Sauf que est-ce que je vais abandonner tout? Non, même si la vidéo là elle est carrément bizarre, je veux quand même faire une vidéo pour quand même tous les jours faire le truc, tu vois. Donc voilà, donc malgré tout, malgré que ce soit mauvais, etc., je préfère largement faire ça que de ne rien faire et de briser ma chaîne d'habitude, qui est la chose la plus dure à faire pour moi, ok? Donc, comment dire, je fais quand même une vidéo, je dis quand même quelque chose d'intéressant, que même quand tu as toutes les raisons du monde d'abandonner, en fait, ça reste un choix, en fait. Ça reste un choix de se laisser abattre et de se dire, oh, et de partir me coucher, pas content de ma journée, parce que vraiment, j'ai de très très bonnes raisons de me plaindre et de trouver que c'était une journée horrible. Et c'était une journée horrible. Mais est-ce que c'est une raison? J'avais dans ma chambre, quand j'étais plus jeune, écrit une phrase sur le mur. Et mon père était pas content que j'avais écrit une phrase sur mon mur d'ailleurs. Mais cette phrase, elle venait de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et la phrase, c'était les lâcheurs ne gagnent jamais et les vainqueurs n'abandonnent jamais. Un truc comme ça. Ça sonne pas très bien en français, les lâcheurs, les abandonneurs. Mais c'était traduit de l'anglais. Je sais pas c'était quoi l'anglais, mais c'était. Enfin bref. En gros, c'était ça. Enfin, c'était pas en gros, c'était exactement ça. Et c'est une phrase que j'ai marquée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose au maximum de tes capacités, tu peux pas avoir de regrets. Genre, même si ce que tu fais rate, tu peux pas avoir de regrets parce que tu as fait le maximum, en fait. Genre, tu as fait le maximum, c'est juste que c'était pas possible, tu vois. Mais quand un truc est vraiment pas possible et que l'on croit vraiment que c'est pas possible, on n'est pas triste, on n'est pas triste de pas pouvoir voler, tu vois. Parce qu'on pense vraiment que c'est impossible, enfin, genre de voler avec nos bras, parce que c'est juste impossible, tu vois. Et bien, quand tu fais vraiment quelque chose du maximum de tes capacités de manière vraiment sincère, tu ne peux pas avoir de regrets parce que tu as fait ton maximum. C'est juste que tu ne pouvais pas, c'était juste impossible pour toi, tu vois, genre avec ce que tu avais. Et du coup, ça n'existe pas en fait. Quand on est honnête et quand on fait de notre mieux, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que notre mieux de toute manière, quand on fait de notre mieux, on ne peut pas avoir de regrets. Donc, bref, bref, bref. Tout ça pour dire que, ouais, vidéo un peu bizarre.
Le truc que j'avais dit hier sur les introvertis, etc., c'est reporté. Ça arrivera, j'espère, demain. Probablement pas. Et ma foi, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une vidéo normale, normalement, j'espère. Et voilà, prenez soin de vous. Salut, bonne nuit. Je l'ai fait ma vidéo. Je l'ai fait, mais t'as cru que j'allais abandonner? Jamais de la vie, jamais de la vie. Salut.